Le premier engin arrivé sur les lieux, c'est le fourgon de Vendeuvre-sur-Barx. Alors arrivé, embrasement généralisé donc du bâtiment magasin de 250 m², qui fait partie d'un bâtiment totalisant 2500 m². Le feu a détruit complètement le magasin, mais ne s'est propagé nulle part dans les bâtiments attenants. Trois engins d'extinction sont arrivés en renfort avec une échelle, au totalisant 30 sapeurs-pompiers au feu d'action et une équipe risque chimique pour voir les effets du feu sur les produits différents qui étaient dans le bâtiment. Donc actuellement, on a la certitude qu'aucune pollution et rien de particulier concernant les produits. Et on va faire quand même des contrôles sur la barge pour voir au niveau de la rivière s'il n'y a pas eu de soucis dans celle-ci. Mais les eaux d'extinction sont détournées, elles ne vont pas dedans directement. Le bâtiment a été évacué à notre arrivée, donc pas de victimes. EDF, GDF sont arrivés à temps pour trouver les fuites, donc on n'a pas eu de problème particulier. Une intervention qui se déroule dans les meilleures conditions.